Les filles, on a quoi comme cours maintenant? Les mathématiques. Les maths? Génial, tant mieux, je suis prête. Waouh, c'est quoi ce parfum? Les filles, eh oui, c'est mon tout nouveau parfum. Oh Diana, il est incroyable, il sent si bon. Les filles, je sais, je vous laisserai vous en vaporiser un peu. Diana, tu peux me dire son nom? Bien sûr Nastia, mais pas devant tout le monde. Parce que s'ils l'apprennent, demain, tout le monde achètera le même parfum que moi. Ouais, et tout le monde sentira la même chose. Salut les bunnies. Diana, pourquoi tu ne récupères pas toi-même tes lettres auprès du coursier? Quoi? J'ai reçu une lettre? Ici à l'académie? C'est certainement la lettre d'un fan. Mais le truc, c'est qu'on n'a dit à personne l'adresse de l'académie. Le coursier nous a dit de la remettre à Diana. Bref, Diana, la prochaine fois, va prendre toi-même ton courrier. Qu'on n'ait pas à te chercher partout pour te la remettre. C'est vrai que l'écriture est un peu bizarre, mais on ne l'a pas lue. Ah ouais, j'ai un doute là-dessus. Les basketteuses, on vous connaît bien. Les filles, vous savez de qui ça vient? C'est de qui? D'une personne qui s'est rendue compte de son erreur. Qu'est-ce que c'est, une blague? Les basketteuses, signez vite pour confirmer votre présence à l'académie. C'est peut-être une blague. Elle nous appelle pour signer. Allons-y. Les filles, j'ai vraiment hâte de lire ce qui est écrit dans cette lettre. Allons vite au café. On aura juste quelques minutes de retard pour le cours. Oui, allons-y. Stella, on signera quand on ira en cours. Mais pour le moment, on doit aller au café. Comment ça au café? Vous avez un cours de maths? Quelle bande de fainéantes!